Depuis le premier coup de pioche symbolique au printemps 2009, les haveuses du tunnel de Serrières n'ont pas chômé. Le tracé du chaînon manquant de la A5 se concrétise peu à peu. Sécurité, proximité des habitations, qualité de la roche, le personnel qui travaille dans les galeries doit faire face à de nombreux défis. À l'intérieur des tunnels, les travaux s'automatisent de plus en plus et les techniques évoluent pour répondre aux contraintes et tenir les délais prévus. Adrien Pizzera fait l'état des lieux. L'avancement général des travaux est conforme à nos attentes, à savoir qu'on a un avancement moyen de 5-6 mètres jour, ce qui correspond grosso modo à 100-120 mètres par mois. Actuellement, sur le tube nord, on se trouve aux alentours du TM 600, donc on a fait 600 mètres, et puis 160 mètres sur le tube sud. Le tube nord faisant 837 mètres, on a encore 230 mètres grosso modo jusqu'à atteindre la fouille de Serrières. Le percement de la calotte du tube nord, donc je vous rappelle, on est toujours en la section supérieure du tunnel, on va arriver à Serrières à la mi-janvier 2010. Le percement des deux tubes a été minutieusement préparé et la géologie des lieux a été sondée. Mais comme le constate Philippe Timmer, les prévisions ont leurs limites. Quand vous faites des travaux souterrains, la première difficulté, c'est la géologie. En début d'affaires, vous faites des sondages, donc ça vous donne des indications sur le rocher que vous allez rencontrer dès le début du creusement. Après, c'est un mystère. Des fois, on rencontre des roches qui se laissent bien creuser, bien fraiser. Des fois, il y a des roches qui sont un peu plus fracturées. La roche que l'on attaque à Serrières a une assez bonne tenue. Agréable à travailler, elle est connue dans la région sous le nom de pierre d'Autrive. Explication, Jean-François Billou. C'est la pierre jaune de Neuchâtel, bien connue depuis l'Antiquité, loin la ronde pour ses vertus dans la construction. Et puis la roche présente la caractéristique de se dissoudre sous le passage des eaux souterraines. Et la dissolution de la roche crée des cavités qu'on appelle karstes, qui peuvent être remplies ou non. Et puis ici, derrière nous, il y a la première, on en a rencontré une deuxième plus loin de ces cavités karstiques. Ces cavités doivent être rebouchées et l'on va utiliser différentes techniques pour consolider l'ouvrage. Pour soutenir la roche, il y a en effet plusieurs types de soutènement. En fonction de ce qu'on trouve, il y a des soutènements plus légers ou des soutènements plus lourds à mettre en place. Le soutènement léger, c'est des ancrages avec du béton projeté, fibré, avec des fibres de polypropylène. Le soutènement lourd, ce sont des cintres métalliques qu'on pose, doublés avec des ancrages et bien évidemment également du béton projeté. Essentiel pour une bonne tenue de la roche, donc du tunnel, le soutènement est aussi une mesure de sécurité pour le personnel à l'intérieur du tunnel. Si je résume ce qu'on fait ici pour la sécurité des ouvriers, c'est d'assurer la sécurité de la stabilité de la roche. Et il n'y a pas d'ouvriers qui vont au front non protégé sans avoir une protection au-dessus de la tête. Et on a des habits de sécurité, et un matériau visible, des bandes réfléchissantes et puis des klaxons de recul sur les engins qui sont actifs dans le tunnel. Mais la sécurité, c'est aussi une attitude de tous les jours. Carlos Goncalves travaille depuis plus de 15 ans dans les tunnels. Attentif à tout. Parce qu'on peut avoir un risque d'accident très vite si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Dans le tunnel, normalement, les équipes, il faut que ça soit comme une famille, qu'on puisse suivre le travail ensemble et pour s'aider un et les autres. Ça, c'est le plus important. Une équipe, c'est comme une famille. À l'est du tunnel, les travaux de terrassement se poursuivent. Et pour accélérer le rythme, on a mis le paquet. Ce qu'il y a du côté de Serrières, c'est qu'on va maximiser le temps d'intervention. C'est des travaux qui sont bruyants. Donc on a mis des gros moyens, à savoir une grosse pelle 70 tonnes couplée à une pelle 40 tonnes. Le but, c'est que ces deux pelles fassent le moins de temps possible pour réaliser ces travaux. Ces prochains mois, ce terrassement va se poursuivre. Rappelons que le percement de la calotte du tube nord aura lieu au début de l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc début 2010 pour parler de la suite des travaux. À bientôt.